Si vous aimez le chanteur Renaud, si vous aimez sa musique, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Juste te chanter mon poteau avec Morgane Renaud. Qui es-tu, Pascal ? Qui suis-je ? C'est une bonne question, ça. Je suis plusieurs personnes, un peu. Non, en fait, je suis un être un peu assez passionné en général, un peu rêveur. Voilà, je suis un être qui a planté ses premières racines à Paris, dans le 18e arrondissement, l'arrondissement de la Butte, comme on l'appelait à l'époque. Montmartre. Là où il y a Montmartre, évidemment. Je suis un être qui est né, je pense, sous une très très bonne étoile. Et puis mon petit parcours, il était assez simple. Là, j'ai été placé à Rouen, dans un centre dans lequel j'en suis sorti. Et puis ce centre nous a amené dans l'île de Noirmoutier en vacances, où j'ai connu des gens extraordinaires. Ce qui t'a donné envie de vivre ici. Ah bah oui, et puis un amour aussi, un amour de jeunesse, on va dire. Qui m'a amené là, et puis j'ai fait mon petit parcours comme ça, j'ai connu des gens, des tonnes de gens. Et puis je me suis installé ici, où j'ai apprécié énormément, et que j'apprécie encore depuis toutes ces années. Je suis à la retraite depuis le 1er août officiellement. Et là, ouais. Nous sommes dans ton jardin à Aubigny-lès-Clouzot, hein, là. C'est où ça. Tu vis depuis une quinzaine d'années. C'est ça, avec ma femme. Tu officiais, toi, à titre professionnel, comme jardinier, hein, à La Roche-sur-Yon. C'est ça. Pendant pas mal d'années, puisque j'ai travaillé dans les parcs et jardins pendant 37 ans, 8 ans même. Ouais. Bon, et la retraite, ça se passe comment ? Oh là là, j'ai rajeuni de 2 ans. C'est extraordinaire. Si on est venu à ta rencontre, c'est parce que tu es non seulement passionné par ce chanteur Renaud, mais peut-être plus particulièrement passionné par ces chansons que tu rejoues depuis très longtemps avec ton propre groupe, hein, depuis 1998. Tout à fait. Qui s'appelle Morgane de Renaud. Tout à fait. Et on sent que, et d'ailleurs tu le dis toi-même, ce chanteur Renaud, tu l'as dans la peau en fait. Oui, je ne l'ai pas fait exprès, oui. Puis papa, qu'on sait qu'il fasse le marchand de cailloux, j'en voudrais dans mes godasses à la place des joujoux. Avec mes copines en classe, on comprend pas tout. Pourquoi des gros dégueulasses font du mal partout? Pourquoi les enfants de Belfast et tous les ghettos, quand ils balancent un caillasse, on leur fait la peau? Je croyais que David et Goliath, ça marchait encore, que les plus petits pouvaient se débattre sans être les plus forts. Dis papa, quand c'est qui passe le marchand de liberté, il en a oublié un max en faisant sa tournée. Pourquoi des bons crèvent de faim pendant qu'on étouffe? Quand j'étais donc placé à Rouen, des éducateurs, évidemment, il y avait des très très bons artistes, qui nous peignaient des poules beaux. C'était les enfants des rues de Montmartre des années 1920, etc. Ouais. Donc nous, on nous les dessinait, on nous apprenait à les peindre et on les vendait. Et j'ai vu cette pochette de Renaud. Et j'ai dit, putain, celle-là, faut que je la dessine, faut que je la peigne, elle est géniale, cette pochette. Cette pochette où on le voit avec une casquette. Avec une casquette, un voilà. C'est tout jeune à l'époque. Voilà. Donc ouais. Ça, c'était son disque de 1975, hein, qui s'appelait Amoureux de Paname. Donc là, un flash, un déclic. Ah hein. Ben là, ça a été un flash, mais on ne le connaissant pas du tout. Ouais. Là, ça a été un flash parce que j'étais passionné par ces tableaux, par ces gavroches, par ces enfants des rues, etc. D'autant plus que quand on est placé, il y a plein de gens, voilà, on sait bien ce que c'est. Donc, je crois qu'on s'associe un petit peu à ce genre de personnage. Voilà. Et donc, j'ai acheté ça. Et puis, on me l'a dessiné, et puis voilà. Donc, ça m'a bien amusé. Puis, alors, forcément, il y avait un disque à l'intérieur. Alors, je me suis dit, tiens, je vais écouter quand même. Mais ça ne m'intéressait pas, hein. Et alors là, il s'est passé quelque chose, et c'est ce que j'explique dans la chanson que j'ai écrite. En hommage. En hommage, et pour raconter cette histoire-là, finalement, à Renaud. C'est que dès que j'ai écouté ces textes, à cette époque-là, ça m'a complètement touché. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé, et j'ai été imprégné par ça. Et je dis d'ailleurs dans cette chanson, en tes paroles, il y eut un peu de moi.
Et c'est complètement ça. Et après, je me suis rendu compte que j'avais un peu son timbre de voix, et puis j'adorais chanter ses chansons. J'ai jamais été un guitariste, mais j'étais un gratteux, que je suis toujours. Alors je l'ai gratouillé un peu, dans les feux de camp, dans les machins, et voilà. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc les textes de Renaud me touchent énormément tout le temps. Il y en a même qui disent là, ouais, sa voix, elle est nulle, machin. Oui, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Mais quand il chante, c'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots, c'est pas beau ça. C'est une chanson qui est extraordinaire. Et pourtant, elle a une voix très grave, très posée. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est que ces textes sont formidablement bien écrits et que c'est un génie. T'aurais pas vu Gérard Lambert aller ce soir à Rangers. T'aurais dû rester chez ta mère comme un bon fils. Alors, pendant une demi-heure, dans son moteur, il tripatouille. Il est crevé, il est en sueur, il a du cambouis jusqu'au coude. Dans le lointain, le jour se lève comme d'habitude. À ce moment-là, un mec arrive, un petit loupard aux cheveux blonds, et qui lui dit, comme dans le livre, s'il te plaît, dessine-moi un bouton. Une femme à poil, ou un calibre, un cran d'arrêt, une mobilette. Tout ce que tu veux, mon pote, t'es libre, mais dessine-moi quelque chose de chouette. Dans le lointain, il se passe plus rien, du moins il me semble. Ah, tu nous emmènes où, là, Pascal ? Ah, l'antre du renard. Docteur Renaud, Mister Renard. Alors là, oui, alors ça, c'est mon petit coin. Enfin, j'ai aménagé un box comme ça, histoire d'avoir mon petit endroit à moi. J'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu rêveur et passionné. Ben voilà, on est un petit peu là-dedans, hein, y a un peu de tout. Alors, il y a mes articles de presse, il y a, y a forcément mes photos avec... avec Renaud. Renaud. Et ça, c'est une sacrée rencontre, c'est un rêve. Ah ouais, alors ça, c'est... Qui s'est réalisé, je crois, en 2019 ou... Ouais, c'est ça. Ça, c'est le Graal, ça. Ah, j'ai pleuré comme un gamin, parce que... Mais on s'en rend pas compte, hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à l'intérieur. Quand je l'ai vu, j'étais tellement... Putain, j'ai chialé, voilà. Bon, bref. Et je lui ai dit, est-ce que je peux t'embrasser? Il m'a fait non. Je te jure que c'est vrai, hein, il m'a fait non. Et on a discuté, on devait rester 2-3 minutes, à peu près. Et puis finalement, on est resté un peu plus longtemps, donc ça m'a fait très très plaisir. Et à la fin, j'ai fait, je peux te faire amuser? Il m'a fait, ouais. Et voilà, et ça s'est fini comme ça. Mais c'était, voilà, c'était... je suis tombé devant quelqu'un de très sensible, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est tout ce que je dirais de cette rencontre-là. Mais en tout cas, c'était très agréable quand même. Donc voilà, et donc j'étais entouré un peu un petit peu de son fief, quoi. Alors ses copains se foutaient de ma gueule, évidemment, un petit peu, ils riaient un peu quand j'ai eu cette sensibilité-là. Je lui ai dit, si poème, chanson, brûlot t'ouvre des mondes plus beaux, si la plume d'un Victor Hugo éclaire ta vie comme un flambeau, et si Brassens et Léoto furent tes héros, sache que pour moi, il en est aujourd'hui un autre qui, comme eux, a ce prestige des mots. Alors gloire à toi, Renaud, qui par la magie de ton stylo emmène mon esprit vers le haut. Je viens juste t'écrire une bafouille sans trop vouloir te déranger. Une qui te parviendra peut-être, en tout cas, je vais essayer. Elle ne sera sûrement pas certes d'une grande composition, mais elle sera sincère et le sera. Ma chanson. Ça y est, j'ai planté le décor, créé le climat de mon texte béton. Mais il ne sent ni peur ni mort quand tu l'écris dans ta chanson. Je dirais même bien au contraire qu'il ne sent que vie qu'émotion. Enfin voici, monsieur, l'histoire réelle de ma passion. En ce temps-là, je ne te connaissais pas. C'était comme ça. Ma passion, c'était ça. Pascal, je suis obligé de te le demander, mais quel est ton regard, toi, sur l'état de santé de Renaud? Ça doit, j'imagine, t'attrister un petit peu, parce qu'il n'a pas l'air d'aller bien. Bah, de toute façon, de toute façon, je peux pas être heureux, puisque c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc, je veux pas dire que... j'ai envie de dire que ça me regarde pas en même temps, parce que...
C'est, oui, ça touche un peu ma sensibilité. Bon, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que Renaud, il est heureux. Ah, c'est ça qui compte le plus. Ben oui, parce que... Il refait un peu de scène aussi. Voilà, après ça. Voilà, il refait un peu de scène. Moi, après, j'irai pas faire des espèces de discours de bar à deux balles. Bon, ça m'intéresse pas trop. Les gens parlent. L'état de santé de Renaud, oui, bon, ben Renaud, et voilà, il a passé un cap difficile, il a sa vie difficile, on a tous notre histoire. Voilà, moi, ce que je vois, c'est que je suis très heureux. Voilà, il a rencontré quelqu'un, il recommence quelque chose, et c'est du bonheur. Voilà, et c'est ce qui fait que j'ai l'impression que Renaud, quand il a l'amour, il explose les murs. C'est ce que je ressens. Quand il est triste, ça se voit. Comme c'est quelqu'un qui a l'air entier. Voilà, mais quand il a l'amour, j'ai l'impression que voilà, il redéfonce des murs. Il rajeunit. Il réécrit, il a envie de faire des choses. Voilà. Bon, et puis... voilà, je lui souhaite que du bonheur et j'espère que avec sa future femme, puisqu'il a la grande chance de se marier, de recommencer quelque chose. Donc voilà, donc il faut voir ça dans ce sens-là. Moi, je vois ça dans ce sens-là. Sur une note d'optimisme. Voilà, exactement. Voilà, c'est comme ça que je vois et j'espère que ça va marcher, qu'il va être heureux et qu'il va voilà faire des choses intéressantes. Bon, et ben j'espère ne pas t'avoir trop dérangé. De mes 56 berges, je vais continuer de te chanter. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai le bonheur de te croiser. Je te jure, on fumera pas de pétard, mais on pourra causer. Ma chanson est terminée, ma passion c'est de chanter. Je fais de tournée en tournée et je suis pas prêt de m'enlacer. Ma chanson est terminée, ma passion c'est de chanter. Je vais de tourner en tournée et je suis pas prêt de m'enlacer. Pascal, j'étais content de te rencontrer et merci hein, de nous avoir partagé cette passion que tu as pour Renaud, ce chanteur, et pour sa musique. Merci de nous avoir reçus chez toi. Ce fut un plaisir. Et puis, j'ai envie de te dire bon vent avec plein de belles musiques pour la suite. Et puis, nous, on se retrouvera pour une autre émission des Passionnés. Ce sera aussi, bien évidemment, sur TV Vendée. Salut. Merci beaucoup. Salut à tous les deux.